Donc, ici, on va voir principalement comment faire pour convertir donc un décimal en binaire. On va prendre le chiffre, par exemple, allez, 12. Vous allez comprendre pourquoi 12 après, je vous expliquerai. Divisé par 2. Donc, on fait 12 divisé par 2, il est divisible, il ne reste rien. Donc, ça fait 6 et il reste rien. Donc, comme il reste rien, je mets un 0. 6 divisé par 2, c'est possible. Je divise, ça fait 3, il me reste 0. 3, est-ce qu'il est divisible? Il n'est pas divisible. Donc là, je prends 2, j'en retire 1. Le fait d'en retirer 1, bien, je vais le placer ici. Donc, je mets 1. Et là, 2 divisé par 2, pardon, ça fait 1. Voilà. Et puis, le 1, est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Le 1, je viens le placer ici. Et là, il me reste 0 puisque j'ai placé le 1. Là, il me reste 0. Voilà. Et maintenant, une fois que vous avez ça, il faut toujours lire le binaire du bas vers le haut. Donc, comme ceci. Donc, je prends d'abord celui-ci. Ma réponse sera le 1, puis suivi du 1, puis suivi du 0, 0. Maintenant, une fois qu'on a converti, on va faire la vérification. Pour vérifier, on avait utilisé deux possibilités, soit avec un tableau, soit avec l'exposant. Donc, je vais d'abord mettre le tableau qui vous paraissait même le plus facile. Donc, pour le tableau, comment ça fonctionne? Eh bien, je commence par 1 fois 2, ça fait 2, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, et ainsi de suite. Donc, maintenant, je crée mon tableau. Et là, je vais maintenant placer ma réponse. Et donc, forcément, je commence par le dernier que je place ici. Donc, mon 0, je le mets là. L'autre 0 à côté. 1 et 1. Et là, on constate bien que 8 plus 4, puisqu'on prend uniquement où il y a les 1, et là, on ne prend pas. Donc, si je prends les deux, je les additionne. C'est-à-dire 8 plus 4 est égal à 12. Et 12. C'est bien la bonne réponse. D'accord? Ça, c'est à travers le tableau. Maintenant, on va faire la vérification ici avec les exposants. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai commencé de droite à gauche pour aller faire ma vérification dans le tableau. Donc, je l'ai positionné un ici, puis là, et puis là. Donc, maintenant, pour l'exposant, je vais faire la même chose. Donc, je vais commencer par le 0 qui est ici. Donc, je fais 0 fois 2 exposant 0 plus 0, puisqu'il y a un 0 ici, fois 2 exposant 1 plus, pour celui-ci, 1, puisque j'ai 1, fois 2 exposant 2 ici dans ce cas-ci. Voilà. Il m'en reste encore 1, donc celui-ci. Je fais plus, donc 1 fois 2 exposant 3. Maintenant, on va trouver les réponses de chacune. Donc celui-ci d'abord, comme il y a un 0 devant, donc c'est automatiquement 0, peu importe la réponse qu'on trouve ici. Donc ici, c'est 0. Plus, là, comme j'ai encore un 0, c'est automatiquement 0. Plus celui-ci. Là, j'ai une fois. Donc je vais vérifier quelle est ma réponse de 2 exposant 2. Eh bien, c'est 2 fois 2. Ça fait 4 fois le 1 qui est ici. Ça me fait 4. Plus, j'ai fois 1, donc je garde la réponse. Et 2 exposant 3, c'est 2 fois 2, ça fait 4. Fois 2, ça fait 8. Et donc maintenant, je fais égal. Et je prends uniquement, pas les zéros forcément, celui-ci plus celui-là. Donc 4 plus 8 est égal à 12. Voilà, donc ma vérification, elle est bonne. Elle est OK ici, elle est OK ici. Voilà, ça c'est les deux types de vérification qu'on peut faire avec les exposants et là c'est avec le tableau.